Love sitting near Hujanas Kerisetink, Shinogatu, with Hidem, my Survahuis, or Rira Beshiki, in Shirkov, with Kissing Asera, as Hartzazerutze, who hears Digin Lydia Margosian, never ink Arabidian Hastani, Hotarani, Respohani, Mujamanag, Askain, Horuti Antame, Parigazek, Nerayan, Digin Margosian, Shinogalus. I saw Bujik Hosing Arabida Hastani, Mazingabes, Nitmine, or Hajak. Արդեն դուք ոչ թե հաջախ երբեք չեն խոսիր այս թեմայի մասին, այլ թե որ այսօր սիան պայմանեց կի մեզի լուսապանեք այս արևմտյան Հայաստանի մասին, քանի որ խորհրդարանը գոյություն ունի, նախարարներ գոյություն ունի, բայց չփախտաբար շատ դերություններ չունի։ Գուզեցիք որ ֆրանսերեն լեզու արդայդվիլ, անիգա ազատ գծկեն ձեզի։ Հրամեցեք բարի եկազեք ցուցի ներգայացեք, եթե ես միան երկու ծեր բաշտները ներգայացի, եթե ուրիշ բան գնակ ավեցներ, հրամեցեք խոսքի ձեզի։ Eh bien, tout d'abord, je vous remercie infiniment pour l'invitation et la question des droits des Arméniens dont nous allons parler aujourd'hui. C'est une question fondamentale car c'est une question vitale. Vitale pour le droit des Arméniens à continuer à exister en tant que peuple. Et nous allons immédiatement entrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Non, je vous en prie. En ce qui concerne bien les fondamentaux de ce que nous devons entendre par l'Arménie occidentale et par le peuple arménien d'Arménie occidentale. D'accord. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'il est important de définir qu'est-ce que l'Arménie occidentale. Parce que bien souvent, lorsque je vais à la rencontre de notre population, et notamment des troisième, quatrième génération de descendants de rescapés du génocide des Arméniens, on me dit « mais qu'est-ce que l'Arménie occidentale ?» Eh bien, je leur dis « l'Arménie occidentale, c'est la patrie d'origine, la terre de nos ancêtres, la terre de nos pères. » Où se situe l'Arménie occidentale? Alors, on a bien coutume souvent d'entendre que l'Arménie occidentale, c'est le pays des montagnes, absolument. Eh bien, c'est oui, effectivement, le pays des montagnes, mais aussi, il faut se référer au fait que c'est un haut plateau qui se situe entre les trois mers. Et quelles sont ces mers? La mer Noire, la mer Caspienne et la mer Méditerranée. Donc, c'est un pays, un territoire sur laquelle s'est développée une terre, sur laquelle s'est développée une population très ancienne. Encore une fois, on a coutume de dire que c'est une population ancienne de 3000 ans. Et là, j'aimerais corriger cette assertion en disant que nous sommes une population bien plus ancienne, puisqu'elle a une ancienneté d'au moins 8000 ans. Et là, les rapports d'experts sont là pour l'attester. Et j'aimerais aussi insister sur le fait que nous sommes une population autochtone, en arménien « Pönik Jovurt ». Cet élément est fondamental puisque certains considèrent à remettre en cause, et notamment la délégation turque à l'ONU, la qualité d'autochtonie de la population arménienne, nous considérant comme une minorité en Turquie. Eh bien non, nous disons non, nous sommes un peuple autochtone en Arménie occidentale. Alors cette terre, elle a fait l'objet de nombreuses invasions, et notamment dans l'histoire contemporaine, au XVe et XVIe siècle, l'invasion des Turcs Seldjoukides qui sont venus coloniser, je dis bien coloniser, le territoire des Arméniens, ce haut plateau arménien. Alors, quand on parle de colonisation, on parle d'occupation, et j'y reviendrai. Cette colonisation a engendré nombre de souffrances pour le peuple arménien, qui a culminé avec un génocide qui s'est déroulé sur la période de 1894 à 1923. Et c'est très important de bien préciser ces dates-là, parce que bien souvent,
par ignorance, je pense, on se concentre sur la date de 1915, ce qui est absolument faux. Le génocide des Arméniens s'est déroulé sur cette période-là, 1894, avec les premiers massacres de Sassoun et Amidien, pour perdurer jusqu'en 1923, encore une fois sous trois gouvernements turcs successifs, sous l'Empire ottoman, du gouvernement Amidien, ensuite les Jeunes Turcs, le gouvernement des Jeunes Turcs, et le gouvernement de Mustafa Kemal. C'est très très important, puisque aujourd'hui, ce plan d'anéantissement, je suis très très sérieuse et grave quand je dis ça, ce plan d'anéantissement n'est nullement terminé, puisque notre population aujourd'hui vit en exil et qui subit un plan d'anéantissement par assimilation, du fait que nos droits n'ont pas été reconnus, et aussi, notre population fait face à un plan d'anéantissement sur nos territoires de la Cilicie, puisque les djihadistes d'aujourd'hui sont les terroristes d'hier, ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé, et nous savons que les premières populations qui ont été visées à Alep, en Syrie, sont les populations arméniennes, ce sont les quartiers arméniens qui ont été visés en premier. Alors, il faut bien se rendre compte qu'il y a une volonté délibérée d'anéantir la population arménienne. Et là, je voudrais vous rappeler l'un des 10 commandements du programme génocidaire des Jeunes Turcs. Je cite « Déporter les familles de ceux qui auraient réussi à s'échapper et faire en sorte de les couper de tout lien avec leur pays natal. » Vous voyez bien ici la volonté de déracinement. Lorsque vous déracinez un arbre, eh bien, qu'est-ce qu'il advient de cet arbre? Il meurt. Eh bien, c'est la même chose pour un peuple. Nous sommes en contact avec beaucoup d'autres populations autochtones et c'est la même problématique qui se pose ici. À partir du moment où un peuple est coupé de sa terre, il meurt. Voilà. Donc nous, en tant que peuple, nous sommes amenés à mourir si nous n'avons pas le droit de retour à notre terre aujourd'hui sous occupation. Il y a donc une problématique territoriale et il y a une problématique aussi de conscience nationale. Les Arméniens doivent prendre conscience, toute la mesure de la gravité de la situation qui les atteint, puisque le corps de la nation aujourd'hui est un corps en souffrance. C'est un corps qui est malade, c'est un corps qui a besoin d'une réanimation, si je devais employer une terminologie médicale, et pour continuer à survivre en tant que peuple. Pour cela, et pour le réveil de la conscience nationale, la nation arménienne doit prendre conscience de tous les droits imprescriptibles qu'elle a obtenus. Alors, si vous me permettez, je voudrais effectivement vous rappeler et rappeler à nos compatriotes l'ensemble des droits qui ont été acquis. Et que bon nombre de nations, d'ailleurs, nous envient. Parce qu'eux n'ont pas obtenu tous ces droits que les Arméniens ont obtenus. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait? On voudrait les déchirer? Non. Nous, on se les approprie et nous avançons d'un point de vue du droit international pour rappeler au monde entier et pour rappeler à la nation arménienne les droits qu'elle a obtenus. Les droits, vous voulez parler des traités rectifiés, mais oui, juste les traités, conventions, les décrets et de tout l'ensemble, effectivement, des actes juridiques en faveur de la nation arménienne. Quels sont ces droits? Alors, quels sont ces droits? Tout d'abord, vous avez le décret russe du 29 décembre 1917. Ce décret russe, il reconnaissait le droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale jusqu'à leur indépendance. Et je voudrais vous rappeler que le 12 janvier dernier, il y a eu une conférence à ce titre où un nombre assez conséquent de diplomates et de représentations d'État étaient présents à l'occasion de cet événement qui s'est déroulé à Paris, à la mairie du 16e arrondissement, et où le président actuel de l'État d'Arménie occidentale, M. Armen Abrahamian, a rappelé
ce décret russe, qui est d'une importance considérable pour les droits des Arméniens. D'ailleurs, cette année, c'est l'année du centenaire de ce décret. Je voudrais également vous rappeler qu'il y a eu une reconnaissance de facto de l'Arménie occidentale, de l'indépendance de l'Arménie occidentale, par le Conseil, Conseil suprême des puissances alliées en 1920. C'est une reconnaissance très importante et c'est le jour de l'acte, c'est le jour où nous célébrons l'indépendance de l'Arménie occidentale. C'est très très important. C'est quoi une reconnaissance de facto? Eh bien, c'est tout simplement le constat de l'exercice d'un pouvoir sur un territoire donné. Immédiatement après, quelques mois après, le 11 mai 1920, il y a eu une reconnaissance de juré de l'Arménie occidentale. C'est très très important. Et comment a abouti, parce qu'il faut expliquer aussi en deux mots comment a abouti cette reconnaissance de juré. C'est qu'il y a eu le 12 février 1919, aujourd'hui nous sommes le 11 février, vous voyez les dates se suivent, demain c'est le 12 février 1919, la délégation nationale arménienne de l'Arménie occidentale et la délégation de la République arménienne du Caucase, elles se sont joints ensemble pour formuler de concert un mémorandum formulant les revendications du peuple arménien et destiné à être mis à la conférence de la paix à Versailles. C'est sur la base de ce document qui revendique notamment la reconnaissance d'un État arménien indépendant. Et quand on parlait d'un État arménien indépendant, on parlait de quoi? On parlait de l'ensemble du territoire de l'Arménie occidentale, composé des 6 provinces, je vous les nomme à nouveau, Bitlis, Yelzéjoum, Diklanagert, aujourd'hui Diyarbakir, Harpert, Trébizond, Van, de la Cilicie, et ainsi que de la République arménienne du Caucase, qui avait fait sa déclaration. Bien, eh bien, en réponse à ces demandes, qu'est-ce qu'a dit le Conseil suprême à la conférence de la paix le 19 janvier 1920? Elle a dit qu'il y avait effectivement que le gouvernement de l'État arménien soit reconnu comme gouvernement de fait, ça c'est la reconnaissance de facto, et une reconnaissance de droit qu'on appelle en droit de juré, puisque le 11 mai 1920, il y a deux actes qui prouvent cette reconnaissance de juré. Et je veux que nos compatriotes soient bien conscients qu'il y a bien eu une reconnaissance de l'État arménien. D'accord. Deux éléments attestent de cette reconnaissance de juré. Et c'est très, très, très important de le notifier. Le 11 mai 1920, les délégués turcs ont été convoqués à la conférence de la paix pour recevoir les conditions de paix. Et ils virent les représentants de l'Arménie siéger parmi ceux des États alliés. Okay. Deuxième fait, dans le préambule des conditions de paix, qui sont devenues ensuite le préambule du traité de Sèvres, l'Arménie fut mentionnée parmi les puissances alliées. Donc, et ces deux faits constituent en eux-mêmes une reconnaissance tacite de l'indépendance de l'Arménie. C'est une indépendance qu'on appelle le juré, et pas seulement de facto, car les puissances n'auraient pas pu conclure un traité d'alliance avec un organisme qui ne possédait pas un statut juridique. Et on sait qu'il y a un principe en droit international, c'est que la reconnaissance d'un nouvel État n'a pas obligatoirement, ne revêt pas forcément des formes solennelles. Ça peut être simplement tacite. Donc ces deux faits impliquent la reconnaissance de juré de l'État arménien. Vous avez ensuite une sentence arbitrale. Une sentence arbitrale signée par la main même du président, du 28e président des États-Unis, la sentence arbitrale de Woodrow Wilson, à qui on avait donné la responsabilité d'arbitrer la question des frontières entre la Turquie et l'Arménie. Donc, ce tracé des frontières a été réalisé et le grand sceau des États-Unis a été apposé sur ce document. Il faut bien comprendre que cette sentence arbitrale a une valeur juridique très importante, de très haut niveau. C'est d'abord un acte juridique contraignant et imprescriptible, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, que le temps ne prescrit pas, il n'y a pas de prescription de délai. D'accord. Voilà.
Il y a un autre élément dans l'ensemble des droits que nous avons obtenus, c'est il faut se référer à la sentence arbitrale du président de pardon de la déclaration, excusez-moi, de l'Assemblée générale sur les droits des peuples autochtones qui a été votée par l'Assemblée générale le 13 septembre 2007. C'est une déclaration très importante parce que elle donne le droit à l'ensemble des nations, le principe du droit à l'autodétermination. Qu'est-ce que c'est le droit à l'autodétermination? C'est le droit au peuple, tout simplement, de disposer de lui-même. Alors, nous, en tant que peuple arménien d'Arménie occidentale, allons-nous passer à côté de tout cela? Bien sûr que non, hein, puisque nous avons été aussi acteurs dans la rédaction de la déclaration de l'Assemblée générale sur les droits des peuples autochtones, puisque nous sommes un peuple autochtone. Donc c'est très important. Donc nous avons acquis un certain nombre de droits, fort bien. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, puisque nous vivons en exil? Que faisons-nous concrètement? Et là, je vais vous parler du processus de reconstitution nationale. D'accord. Donc, comment la nation arménienne doit s'organiser pour appliquer, rétablir ses droits? Alors, je voudrais faire comprendre à la nation arménienne que ses droits ne peuvent être établis que par l'exercice d'une structure étatique. Le processus a commencé le 17 décembre 2004 par la déclaration du droit à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie occidentale. Cette déclaration a été faite à Chouchi, en Artsakh. Pourquoi à Chouchi? C'est très très important. C'est très important de, et je vous remercie pour cette question. Vous savez, quand il a été décidé des frontières de l'Arménie, ce sont les frontières occidentales qui ont été définies. Mais les frontières orientales de l'Arménie, dans son intégralité, n'ont pas été définies. Qu'est-ce que dit le traité de Sèvres? Et moi, j'encourage notre population à lire le traité de Sèvres. Il n'y a pas beaucoup d'articles, vous savez, il y a une dizaine d'articles, mais le peuple arménien doit être au courant des droits qu'elle a acquis. Que dit le traité de Sèvres à ce propos? Les frontières respectives entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, article 92, seront déterminées par accord direct entre les États concernés. D'accord. Il n'y a pas eu d'accord. Bien. Donc c'est une question qui reste ouverte et c'est une question qui reste en suspens. L'Artsakh n'est-elle pas une terre arménienne? Je crois que... Il n'y a pas de doute dessus, je crois. Bon, c'est une population autochtone qui vit sur cette terre depuis des millénaires. Et que l'agression armée de l'Azerbaïdjan a eu pour effet un réveil de la conscience nationale. Donc en réalité, l'État arménien qui a été reconnu par le Conseil suprême des puissances alliées, c'est un État qui va jusque là-bas. Voilà. Mmh. C'est ce qui explique cette déclaration à Chouchi. Voilà. Et qui a fait cette déclaration? Bien, ce sont les personnes qui combattaient. Ce sont des combattants. Léonid Azgaldian, qui était le commandant des forces de libération de l'Artsakh, et de M. Ahmed Aga Abrahamian, qui était également combattant et qui a participé à cette guerre, à la défense de notre territoire là-bas, actuel président de la République d'Arménie occidentale. D'accord. Donc depuis 2004 existe votre gouvernement, on va dire. Alors là, c'est la déclaration du droit à l'autodétermination. D'accord. Après, une fois la déclaration, la suite, c'était quoi? Alors il y a eu progressivement, effectivement, le processus de constitution étatique, puisque le 4 février 2011, le Conseil national a constitué un gouvernement de l'Arménie occidentale. Ce gouvernement est en exercice aujourd'hui. Monsieur Karnik Sarkissian est le Premier ministre. Qui siège en Arménie. Qui siège en Arménie, effectivement. Oui. Le gouvernement est basé à Yerevan, en République d'Arménie. D'accord. Absolument.
Et vous avez autour de lui tout un gouvernement qui fonctionne, hein, avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation, et puis l'ensemble de tous les ministères. Combien de ministres dans le gouvernement? Nous avons aujourd'hui cinq ministres qui sont en exercice. Donc, moi, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis députée, donc effectivement, il y a une séparation des pouvoirs. Et les députés au Parlement, combien de députés? Alors, nous avons aujourd'hui 64 députés qui ont été élus en 2013. C'est un mandat pour 5 ans, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est un mandat pour 5 ans, effectivement. Et ce mandat donc arrive à terme aujourd'hui. Et donc, nous appelons nos concitoyens aujourd'hui dans le cadre d'un processus électoral visant au renouvellement des députés. Alors, je fais donc un appel. Voilà, vous m'en donnez l'occasion puisque vous posez la question. Il y a donc le renouvellement du Parlement de l'Arménie-Occidentale qui va s'opérer cette année, hein, c'est 2018. Et donc je lance un appel à d'abord ceux qui voudraient effectivement se porter candidat à la députation au Parlement de l'Arménie-Occidentale. Et pour ceux qui ne le souhaitent pas, participer au processus électoral en votant pour les députés de la nation qu'ils auront choisi. D'accord. Tout à l'heure, avant qu'on soit en direct, je vous ai posé une question. J'ai dit, moi, je viens de l'Arménie occidentale et je ne suis pas citoyen. Mm-hmm. Comment je peux faire pour être citoyen de la République occidentale, Arménie occidentale? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, effectivement, vous devez être déjà... avoir ses racines d'Arménie occidentale et faire votre demande officielle, avoir au moins un de vos parents qui soit issu de cette terre et donc le prouver, hein, être en capacité de le prouver par un document ou par les racines de vos ancêtres tout bonnement. Il y a un formulaire, vous pouvez le trouver sur Internet, je pense. Bien entendu. Vous nous donnez l'adresse. Bien sûr, oui. C'est westernarmeniatv.com, puisque nous avons le site internet officiel de l'Arménie occidentale, la télévision officielle de l'Arménie occidentale. D'accord. Donc j'y vais sur le site, je remplis ce formulaire. Vous remplissez ce formulaire, oui. Absolument. Donc avec une carte, donc avec la copie de votre carte d'identité actuelle du pays dans lequel vous résidez. Oui. Et avec une photo d'identité et votre inscription, donc vous envoyez votre demande accompagnée de 30 euros. D'accord. Voilà. Nous sommes combien? Parce que j'ai dit que je suis un citoyen. Enfin... Oui. Aujourd'hui, nous sommes 17 000 citoyens de par le monde, citoyens de l'État d'Arménie occidentale. Exactement. Et ce sont précisément ces citoyens-là, puisqu'il faut être d'abord citoyen de l'État d'Arménie occidentale, ce sont précisément ces citoyens qui pourront avoir le droit de voter. D'accord. Ça se passe tout par Internet. Ça se passe par Internet. D'accord. Vous allez sur le site de la télévision officielle de l'Arménie occidentale, westernarmeniatv.com. D'accord. Parce que vous avez un média aussi, c'est une télé qui existe en Arménie, qui est diffusée en Arménie. Oui. Elle a été créée quand, comment, quels sont les programmes de cette télé? Oui. Alors, cette télévision arménienne de l'Arménie occidentale a été créée récemment, depuis quelques années, et elle diffuse des programmes sur tout domaine, que ce soit culturel, économique, historique, et nous donnons véritablement l'antenne à tous ceux qui veulent participer et comprendre ce qui se passe, tous les enjeux qui se passent. Du point de vue de la question des Arméniens d'Arménie occidentale, de leurs droits, de leurs terres. Et alors, vraiment, la liberté est donnée à tous. C'est-à-dire que, par exemple, les Arméniens qui vivent actuellement sur notre territoire en Arménie occidentale et qui ont été islamisés, eh bien, ils ont également un droit d'antenne. Je veux dire, les Arméniens... Parce que il faut bien comprendre que les Arméniens ont aujourd'hui des visages multiples. Hein, et qu'on ne peut pas les catégoriser. Nous sommes un peuple ancien et qui a aujourd'hui des couleurs multiples. Et nous donnons effectivement la possibilité à tout un chacun, puisque nous ne sommes pas un parti politique, hein, nous nous situons au-dessus des partis politiques, nous donnons à tout un chacun le droit et la possibilité de pouvoir s'exprimer. Malheureusement, on arrive à terme de notre...
interview, notre rendez-vous d'aujourd'hui. C'était court, mais on a appris beaucoup de choses. Il fallait que vous reveniez encore une fois pour nous donner encore plus d'infos sur donc l'Arménie occidentale. Pour finir, je vous laisse le mot de la fin. Chers auditeurs, je vous rappelle, je suis avec Lydia Margossian, qui est députée du Parlement de l'Arménie occidentale, puis membre du Conseil national d'Arménie occidentale. Je vous laisse le mot de la fin. Comment on peut conclure ce premier rendez-vous, hein, parce que je suis sûr qu'on va revenir dans le futur pour parler encore de l'Arménie occidentale. Eh bien, tout d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation qui nous a été faite aujourd'hui. Les thèmes sont immenses, puisque je voudrais effectivement vous parler de l'ensemble des travaux que nous menons aussi bien à l'ONU, à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, dans la défense de nos savoirs traditionnels, de nos expressions culturelles. Il y a ici des combats très très importants à mener, mais je crois que le principal combat qui est à mener aujourd'hui et demain pour l'application et le rétablissement de nos droits, c'est véritablement la conscientisation de notre population dans ses droits. Il faut véritablement que la nation arménienne d'Arménie occidentale prenne conscience qu'elle a des droits souverains sur sa terre. Et qu'aujourd'hui, il y a un immense cadeau qui lui est fait, c'est la possibilité de pouvoir participer à des élections qui désigneront demain les députés qu'ils enverront au Parlement d'Arménie occidentale, et que ces députés, demain, forgeront le destin de la nation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Sırrım Tirner, işesnem Lydia Margosyan era sur va Hasan Sanas Piri Huyri, şu artı bir daha ne bu internet Hasan Sanas Piri Huyri, işesnem var. İnkı Arabidan Hayastani, Khortarani, Yerespahani, Yevaskayin, Khorurti, Antami, Bimja Bana, Kosisan, Arabidan Hayastani, Masin Gavis, Nikmi var, Yerpekçen, Khosaz, Verarik, Verim, Ulan, İş, Ordu, Verapiri, İnzi, Aminan, Teviz. Այսօր շատ բաներ սորվեցան, ես կամարամանդ երկութիներ ունեցա այս Արևմտյան Հայաստանի մասին։ Շնորհակալություն Լիդիա Մարգոսյան, որ ընդունեցիք Հայաստան Սանասպիրի հրավեր և իրապես ձեզ հաջողություն գումախտին ձեզի և վստահ եմ, որ պիտի գտնվենք անգամ ևս վերահիկներում ուրայն, որպեսի ձեր հաջորդ քայլերում դերեկանք։ Շնորհակալություն անգամ և ընդունեցիք ձեր հավատարմության համար և հաջողություն ձեր բոլորին, ձեզ ու միջև հաջորդ հանդիպում։